Aïe, à quelle madame? Ah. Merci d'être venu à ce énième numéro du Grand Café ou encore le Temple des Entrepreneurs. Entrepreneuriat, innovation, c'est le thème de ce Grand Café. Mesdames et messieurs, chers publics, notre invité du jour pour en débattre ce thème est un innovateur. Je vais vous inviter à suivre cette vidéo et juste après, on se retrouve. Amadou Diawara, puisqu'il s'agit de lui, ce jeune Malien très actif a grandi entre le Mali et la France. Il a eu un long parcours dans les différentes grandes sociétés internationales. Il retourne dans son pays d'origine, le Mali, en 2010 afin de se lancer dans des actions, précisément le secteur du numérique, dans sa vision de faire bouger les choses dans ce domaine dont il maîtrise. Il crée le groupe Famib en 2010, une entreprise qui s'est spécialisée dans l'ingénierie informatique, devenue Certic en 2022. Centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, basé au Mali et avec des représentations à l'international. Le centre emploie des centaines de collaborateurs parmi ses œuvres, l'Université virtuelle du Mali, devenue CEDA Virtuelle Academy, dont la gestion est assurée par Cluster Digital Africa, lui-même créé en 2021. CEDA Virtuelle Academy donne aux enseignants des compétences en technologie et aide les étudiants à réussir par le biais de l'employabilité et de la certification de l'industrie. Amadou Diawara, c'est un esprit créatif et productif. L'expert en transformation digitale et technologie lance en 2019 la première crypto-monnaie du Mali, Zalissi. Cher public, notre invité est éditeur des solutions informatiques depuis 13 ans. Le fondateur du Cluster Digital Africa, CEO donc de Centre d'innovation, de recherche technologique et de l'industrie créative. C'est bien ça, Amadou Diawara. Bonsoir. Merci d'être venu au café. Et merci également à toutes ces personnes-là qui ont fait le déplacement. Je commence d'abord par ISC Business School, que vous connaissez déjà, mais aussi le groupe Azalai Hotel qui nous accueille. Et sans oublier nos amis du club Masterpiece qui sont avec nous. Je vous demande de les applaudir très très fort. À la tête du groupe Famib, devenu Certic, quand je parle de Famib, on parle de l'Université virtuelle du Mali, on parle de le réseau social Kingi Social, plein de choses. C'est avec ça qu'on reconnaît bien M. Amadou Diawara. Alors Certic, qui est là depuis bientôt quelques mois, du même que Cluster Digital Africa. Merci pour l'invitation et merci à toutes ces personnes qui sont déplacé malgré le match et puis la chaleur de 14h d'être là, donc ça montre tout l'intérêt pour le Grand Café. Et me donner la parole pour parler de Certic et de Famib, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi je suis rentré au Mali en 2010 et c'est là où on a mis avec Badji Famib en place. Donc qui à l'époque, je pense que certaines personnes dans cette salle que je vois qui ont connu Famib et... à l'époque, beaucoup de personnes se demandaient si ce n'était pas une histoire de famille. Voilà. Alors, c'était quoi pour vous? Mais en réalité, c'était fournitures, accessoires, matériel informatique et bureautique. Voilà. Donc, et au fil du temps, nous avons fait un virage à 360 degrés. Aujourd'hui, on est plus dans l'ingénierie informatique, tout ce qui est génie logiciel. Bien sûr qu'on reste toujours dans l'infrastructure parce que beaucoup pensent qu'on a abandonné ce côté-là. Mais nous avons juste diversifié et nous sommes allés à un niveau supérieur et on a ajouté le service. Aujourd'hui, on a compris que Famib ne répondait plus à ce que nous faisons réellement. C'est pourquoi on a changé de nom
pour que ça s'appelle le CERTIC, qui est le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, justement, qui répondait à ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, ça fait 12 ans qu'on existe. Donc pourquoi ce changement de nom ? Ce changement de nom, je pense que c'était dans la dynamique de l'équipe, hein, dans ce que nous faisons tous les jours. On a évolué en 10 ans, on avait évolué. Après une décennie dans ça, on a compris qu'il fallait s'adapter en fonction du moment. Il fallait tout simplement ajouter les innovations que nous avons embrassées, parce que nous, au tout début, on ne faisait que de la vente. Pour nous, il n'y avait pas trop d'intelligence dans ça, il n'y avait pas trop d'innovation, il n'y avait pas grand-chose à apporter, que tout le monde savait le faire. Moi, qui suis soniqué, donc pour moi, je suis né dans le commerce, donc ce n'était que la suite logique. Mais on a ajouté d'autres services, on a ajouté d'autres activités, il était nécessaire de changer, que le nom puisse répondre à l'image que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Représenté dans pas mal de pays de la sous-région, c'est ça ? Absolument, je pense que bien avant ce changement de nom, depuis 2014 déjà, on était sorti du Mali. Lorsqu'il y a eu le coup d'État en 2013, nous, on a compris qu'il faut diversifier, il faut donner des possibilités. En 2014, on était déjà parti sur la Côte d'Ivoire. À l'époque, il venait d'avoir les élections, les indicateurs étaient au vert, comme c'est toujours le cas à Abidjan. Donc, pour nous, il était primordial pour nous de sortir dans la sous-région. Et quel pays il fallait choisir, c'était la Côte d'Ivoire. Et 2 ans plus tard, on est sorti vers le Niger. On est allé sur Niamey et après on est parti sur le Rwanda en 2019 et aujourd'hui on arrive à travailler. Mais on était déjà présent sur Toulouse, on l'est toujours d'ailleurs, ça reste un de nos bureaux le plus rentable d'ailleurs. C'est en France, malheureusement on aurait bien voulu que ce soit le Mali. Ouais. D'année en année, vous innovez, 13 ans après, quelles étaient les actions menées au niveau du secteur numérique au Mali ? On sait quand même que vous avez créé l'Université Virtuelle du Mali qui est devenue CEDIA Virtual Academy. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez introduit, vous avez parlé d'une école donc, qui est aujourd'hui là avec nous. Vous avez parlé de formation, de développement personnel. Quand je regarde les profils, quand je vois Mme Magadi, Dr Fatoumata qui est dans la formation, je vois Tako qui est dans la formation et moi-même qui suis là, tout le monde ici aujourd'hui, on se rend compte que il y a une priorité dans nos pays, pas que pour le Mali, c'est l'éducation. Donc forcément, quand on est dans le digital, nous savons que c'est un métier transversal. Quelqu'un soit aujourd'hui, que ce soit le médecin, que ce soit le chimiste, que ce soit l'agriculteur, tout le monde va utiliser le digital. Et nous savons que nous, c'est sans doute un de... Je dirais, peut-être les médecins sont là et d'autres profils sont dans la salle, mais pour moi, personnellement, le digital, c'est sans doute le meilleur métier du monde, en tout cas, puisqu'il peut aider, apporter partout. Donc nous avons jugé utile de réfléchir à des thématiques, à des problématiques, et comment apporter des solutions. Et aujourd'hui, le digital, c'est un levier incontournable de développement. Et nous avons commencé par l'éducation. Et aujourd'hui, on est dans la santé, on est dans pas mal de solutions aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. D'accord. Pour vous, c'est d'apporter la solution, c'est ça ? Absolument, il faut innover. Comme on l'a dit aujourd'hui, nous sommes nés trouver qu'il y a des entrepreneurs. Vous avez parlé de tonton Mossadegh Bali, on n'était pas nés, il était entrepreneur, il l'est toujours aujourd'hui. Et lorsque nous, on se ramène comme de nouveaux entrepreneurs, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau, il faut innover. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'innovation aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse est en train d'apporter. C'est ça aujourd'hui. Et faire cette émission-là, nous, quand on était petits, il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, les plus jeunes ont la chance de venir voir des entrepreneurs qui vont partager leur expérience, ils vont côtoyer des professionnels de la formation. Ils ont Internet, nous, on n'avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, c'est de dire que apporter quelque chose, une petite touche, il y a des problématiques qui sont là, qui sont bien connues. Aujourd'hui, on le sait partout dans le monde, pas que le Mali, hein, mais c'est mondial, ce phénomène, c'est la formation. Aujourd'hui, le développement d'un pays passera par ça. On l'a vu au Niger la semaine dernière, ils ont investi 110 milliards pour la formation. Et donc, pourquoi pas nous au Mali ? Dans vos innovations, vous lancez en 2019 la première crypto-monnaie du Mali. Où en sommes-vous avec ? Après, c'est un projet qui était osé, mais je pense que ce sont des projets qui peuvent prendre du temps pour convaincre. Parce que vous savez, les crypto-monnaies, ce n'est pas encore quelque chose qui est... c'est déjà connu, mais ce n'est pas embrassé par tout le monde aujourd'hui. Les gens mettent du temps pour ça. Mais lorsque vous avez JP Morgan, vous avez Goldman Sachs, et vous avez la Chine, et vous avez le Nigeria, tous ces pays-là et toutes ces structures-là qui sont en train d'aller vers la monnaie électronique, il faut se poser des questions. Et nous savons qu'aujourd'hui, en cette période de crise mondiale, de géopolitique, la Russie parle déjà de revoir la crypto-monnaie. Donc ce qui fait que nous, on a réfléchi ça avant, on s'est dit... à chaque fois, nous, les Africains, on a tendance à suivre le mouvement lorsque les autres ont fini.
Et il faut le faire dol de bi à l'époque avec nos équipes, parce que la question aujourd'hui, c'est moi j'ai la chance d'être présent devant vous, mais il y a toute une équipe derrière moi et je pense que c'est Santé qu'il faut s'allier, c'est Santé qui mérite toute cette lumière-là, parce que c'est eux qui apportent toute l'intelligence, c'est eux qui sont là à travailler au quotidien. On avait compris qu'il fallait que nous aussi on se mette dans la blockchain. Parce qu'avant de parler de crypto-monnaie, il faut parler de quelle technologie c'est. Et beaucoup de gens aujourd'hui se méfient de cette technologie-là. Mais c'est comme il y a 70 ans, lorsqu'on parlait d'Internet, les gens trouvaient que c'était farfelu. Mais aujourd'hui, nos grand-mères dans les villages qui n'ont pas été à l'école utilisent Internet aujourd'hui pour envoyer des notes vocales. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cette technologie blockchain, nous savons que ça peut révolutionner, nous savons que ça peut apporter en milieu rural et ça peut apporter tout simplement dans l'inclusion financière et numérique. C'est pourquoi nous avons lancé Rallyci, parce que Rallyci c'est un peul ou un soniquet, c'est l'argent hein, tout simplement, ou un roll-off. C'est un soniquet ? C'est un soniquet, oui. Okay. En tout cas. Voilà, c'est en sonique. Je pensais que c'était en chinois. Non, c'est pas chinois, mais c'est ça qui fait la diversité de notre pays. Il y a plusieurs dialectes. C'est parce que vous êtes sonique que vous avez donné ce nom ? Non, je pourrais dire que si un peu le peut aussi le dire aussi. Le parce, peul aussi parce que comme le Mali, ça. C'est le peul, c'est des Bambara. C'est tout vous le monde. Vous auriez dû choisir peut-être Wari ou je ne sais pas, Kalis, un peul. Wari, c'est dit par les Bambara et les Maninka. Bon, vous savez, les Maninka, souvent, comme ils ne sont pas trop forts avec l'argent, on les fait pas les trop Malinke confiance. Les Maninka ne sont pas forts avec non, l'argent. On ne les fait pas trop confiance, mais on sait que les Soninke et les peul, nous, on est plus habitués. Est-ce qu'il y a des Malinka dans la salle ici? Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine, du Nigeria. Cette monnaie, à quoi est-ce que ça peut apporter au Mali? Je pense que la question de la monnaie se pose partout en Afrique de l'Ouest. Vous savez, on parle de souveraineté, on parle de tout cela. Et nous savons que c'est une alternative. Certainement, ça ne va peut-être pas remplacer la monnaie fiduciaire, parce que ça, c'est la Banque centrale qui va décider de cela. Mais nous, notre rôle en tant qu'acteurs du digital, c'était d'apporter une alternative et de dire que des solutions existent ailleurs. Nous ne l'avons pas inventé, ça existe ailleurs. Nous maîtrisons la technologie et nous avons voulu le mettre à la disposition. Et du continent, nous, notre objectif aujourd'hui, le choix même de Rallyci, c'est parce qu'au Sénégal, en Wolof, on peut le dire comme ça, ou même au Niger, au Nigeria, dans certaines langues. Donc, c'était de dire qu'il fallait apporter une alternative, une solution innovante qui peut être utilisée aussi comme... moyen de paiement, tout simplement, comme autre monnaie. Dans certains pays, ça existe. Il y a plusieurs monnaies. Pourquoi pas chez nous? De même que peut-être les étudiants peuvent aussi l'utiliser dans les universités. Est-ce que vous avez eu à travailler avec les écoles? Ben, la question aujourd'hui, justement, c'est que nous demandons la curiosité de nos étudiants aujourd'hui. Pourquoi nous avons même changé le nom de notre société pour le ramener au Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative? Justement, c'est pour apporter la jeunesse africaine dans sa généralité, dans la globalité, à réfléchir, à proposer des solutions, à analyser des situations, à dire qu'est-ce que nous pouvons apporter. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire et je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est en Afrique qu'on a 1 million de problèmes. Lorsque nous allons apporter des solutions à ces 1 million de problèmes, forcément, nous allons compter. Et aujourd'hui, on a une chance énorme. En cette période de crise multidimensionnelle ou de géopolitique, tout ce qu'on veut, on nous oublie, nous, les Africains. C'est comme ça qu'on a oublié les Chinois. Et on les a oubliés pendant un bon moment. Et la Chine, aujourd'hui, on parle de changement de l'ordre mondial. Et nous, les Africains, on est en train de nous oublier et c'est une très bonne chose. Mais la question, c'est pas qu'il ne faut pas qu'on s'endorme, il faut qu'on se réveille. Et pour moi, c'est le moment idéal pour nous, Africains, de se fédérer, de s'unir et d'apporter des solutions, des réponses à des problématiques qui nous concernent, qui pourront forcément plus tard être dupliquées dans les autres pays. Tout simplement, aujourd'hui, nous utilisons des solutions européennes, sinon, si on veut, du monde prétendant civilisé. Mais pourquoi ne pas qu'eux, ils viennent utiliser, nous, nos solutions aussi. Quel est votre rapport à l'innovation entrepreneuriat? Le rapport aujourd'hui, il faudra qu'on soit clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames aujourd'hui où les gens confondent l'invention et l'innovation. Et ça, c'est très l'invention important. L'invention et l'innovation. Et l'innovation, c'est très important. Y a-t-il une différence? Il y a une différence. Je pense que Taco est dans la salle. Et on avait eu lors dans un restaurant avec un débat avec un ami, justement sur la question. Aujourd'hui, pour moi, innover, en fait, c'est apporter une solution à une problématique existante. Voilà. Et on sait qu'il y a un problème, il faut apporter une solution. C'est une solution qui va s'adapter. Donc là, on a apporté de l'innovation. On n'a pas inventé, mais on a apporté. Maintenant, lorsqu'on parle d'invention, et pour moi, ça, on ne peut pas parler d'invention sans innovation. Parce que quand on invente quelque chose, il devient innovant seulement lorsque notre invention... reprend un marché bien donné et qui existe un besoin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Thomas Edison qui a créé
tout ce qu'on sait aujourd'hui de la lumière, des ampoules, tout ça, parce qu'il y avait un besoin qui était là pour que lui puisse le faire. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, mon rapport personnel aujourd'hui avec l'innovation, c'est que je suis africain et nous savons que tout est à faire en Afrique. Donc si on veut, nous, régler ces gaps-là, nous sommes obligés d'innover, nous sommes obligés de faire beaucoup plus d'efforts. Et c'est ça qui fait que déjà, nous avons sur le continent des innovations qui sont là, qui sont sans doute pas visibles, on ne se rend pas compte, mais ici, tout le monde a un téléphone, je pense, on a chacun d'entre nous, certains en ont même deux téléphones, je sais que les Dogons, ils en ont au moins 3-4 téléphones, mais la question, c'est quoi? C'est de dire que pourquoi ça? Parce qu'il y a une innovation, on a quitté des téléphones analogiques tout de suite au téléphone mobile. Vous savez qu'à travers la téléphonie mobile, l'Afrique a beaucoup innové par rapport à l'Occident. Orange Money vient d'arriver en France il n'y a pas longtemps dans les autres pays. Pourtant, ça a été utilisé chez nous. C'est ça, ce sont les innovations en termes d'inclusion financière. Et les opérateurs télécoms ont fait un excellent travail pour ça. Maintenant, personnellement, c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie d'innover, j'essaie d'apporter des solutions. Vous avez parlé d'université virtuelle. À l'époque, les gens disaient que j'étais dérangé. Je pense que même maintenant, on pense que je suis dérangé. Mais tout le monde est fou à sa façon. Lorsqu'en 2019, nous avons lancé ce projet, personne n'y croyait, l'université virtuelle, mais quelques mois plus tard, il y a eu Covid-19. Et vous l'avez dit, et tout le monde cherchait à nous voir parce que c'était... Nous, on n'avait pas inventé l'enseignement en ligne, ça existait déjà ailleurs. Et ce n'était pas que le Mali, c'était même d'autres pays qui suivaient des cours en ligne. Absolument, parce que l'enseignement en ligne existait déjà. On ne l'avait pas inventé, nous, mais nous, on avait innové d'apporter ça et de l'adapter à nos réalités socio-culturelles, environnementales et éducatives aux Maliens. En fonction des moyens qu'on avait, les gens trouvaient que c'était farfelu. Mais quand il y a eu Covid-19 et que le monde entier est passé de l'enseignement en ligne, dans les visioconférences, etc., tout le monde s'est dit, mais c'est des génies. On a dit non, on n'a rien inventé du tout. Nous, on a juste compris qu'il y a une technologie qui est là, qu'on pouvait l'utiliser, qu'on pouvait apporter à ce que nous avons besoin au Mali. Quand on connaît le problème du Mali en termes de l'éducation, je suis content qu'il y a des écoles privées qui émergent, mais lorsqu'on sait que ça reste une mission régalienne et qu'on a plus de 1200 écoles fermées, qu'on a des universités qui à Bamako et un seul à Ségou, il y a un problème aujourd'hui. Donc nous pensons que nous avons innové en apportant une solution à cette problématique de l'éducation aujourd'hui. Forcément, nous avons des rapports extraordinaires avec l'innovation. Et sans doute que la plupart de ces solutions sont des solutions qui sont développées par des jeunes maliens. Évidemment, donc il faut le saluer. Et ça, c'est une innovation majeure de mon équipe. Pas de moi, mais de mon équipe. Qu'est-ce qu'un entrepreneur innovateur? Les commerçants ont toujours existé depuis toujours. Mais lorsque le e-commerce est venu, aujourd'hui, Amazon a innové. Amazon n'a pas créé le e-commerce, a trouvé que le e-commerce était là. Mais leur modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en un mot, de façon simple, un entrepreneur innovateur, c'est quelqu'un qui répond, comme je l'ai dit, à une problématique qui est déjà existante. Mais la question aujourd'hui, c'est d'avoir un modèle économique qui est adapté aussi à ce business-là. Et c'est important aujourd'hui de le dire, surtout le modèle économique, parce que les startups, ça s'est créé du jour au lendemain comme du petit pain aujourd'hui dans nos pays, parce que c'est un effet de mode. Mais la plupart de nos startups n'ont pas de modèle économique viable, en fait, soutenable. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, leur innovation ou ceux qui prétendent que c'est une innovation ne peut pas aller loin parce que ça ne répond pas justement à des problèmes de société, justement. On dit très souvent qu'il est difficile d'innover chez nous, vous croyez? Ah, ça, c'est sûr. Alors? Évidemment, bien sûr que tout le monde sait qu'il est difficile d'innover chez nous. Le manque de financement aujourd'hui... Moi, j'étais il y a deux semaines, où je crois, si je n'abuse pas, à une conférence au CICB. C'était le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui disait qu'il y a des Bill Gates en Afrique, peut-être même au Mali. Moi, j'étais dans la salle, je souriais. Ça me faisait plaisir qu'il dise ça, qu'il pense qu'on est aussi intelligent. Mais il a dit quelque chose d'important, que quand c'est aux États-Unis, tout de suite... Dès lors qu'on pense même à l'idée, rien que le projet soit réalisé, à l'idée projet, des investisseurs viennent mettre de l'argent sur la table. Il y a des mécanismes qui sont là pour permettre à ces structures-là de pouvoir mettre leurs idées en action et de le réaliser. Mais en Afrique, lorsqu'on a l'idée déjà, la première chose à faire, et ça c'est important qu'on le dise aujourd'hui, c'est même nos proches qui disent « Non, itna segakei, voilà, tu ne pourras pas le faire, non, c'est compliqué, ce n'est pas adapté, on va essayer de te décourager. » C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que leurs limites, ce ne sont pas nos limites. Lorsqu'on décide d'être entrepreneur, on n'a pas de limites. On a des possibilités qui sont illimitées. Il faut juste aller être plus fort. Et je parle sous le contrôle du coach Dr Traoré qui me forme personnellement sur le développement personnel. Mais c'est de dire qu'on n'a pas de limites lorsqu'on veut être un entrepreneur. Mais en Afrique, précisément dans le cadre du Mali, on t'a dit non, ça ne marchera pas, on va te décourager. Ça, c'est un premier frein. Second frein, nos banques sont frileuses. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas de banque d'investissement. Malheureusement, pour pouvoir nous accompagner. Et troisièmement, il n'y a pas de système de financement participatif.
Et ça, c'est des outils qui sont là aujourd'hui, qu'il faut les utiliser, que nous avons mis en place, et qui sont gratuits, hein, qui sont là parce que nous-mêmes, on a été butés à ça. Je pense qu'il y a des investisseurs, en tout cas des gens qui travaillent dans les structures de financement, qui sont dans la salle aujourd'hui ici, que je salue, que je ne dirai pas le nom, mais nous, on avait sollicité tellement au groupe famille de financement, de lever des fonds, ça a toujours été difficile. Et tant bien que mal, en 12 ans, on a réussi à se faire un chemin. Mais imaginez une personne qui a une idée au Mali et qui veut le mettre en projet et qui n'a pas d'argent. Comment il va le faire? Nous tous, nous avons des projets. Dans cette salle ici, tout le monde a des projets, des idées de projets. Mais tout le monde est en train de réfléchir comment je vais faire mon projet. C'est ça la question. Donc, il est difficile. L'instabilité de notre pays fait qu'aujourd'hui, depuis 2013, on est dans l'incertitude absolue. Je ne suis pas politique, mais en tant qu'opérateur ou en tant qu'entrepreneur... Est-ce que bien avant ça, il n'y avait pas ce problème-là? Non, en fait, il faudra être clair, il faudra qu'on le dise. C'est-à-dire qu'il y a l'instabilité là, mais dans sa crise, il y a des opportunités. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir aussi les saisir. Et je pense que c'est dans les périodes de crise que d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, à succès, arrivent à sortir parce que les plus résilients, et c'est qu'ils ont un mental fort. Parce que pour être un entrepreneur, il faut être très fort mentalement, ça, il faut le dire. Et ça demande beaucoup de travail sur soi et beaucoup de formation, d'abnégation. Mais la question essentielle aujourd'hui, c'est qu'on peut retenir, et les conditions ne sont pas réunies au Mali, en tout cas, pour être un entrepreneur. Maintenant, d'accord. C'est le Malien qui, de façon historique, de culturelle, on est entrepreneur, ça c'est sûr. Mais l'entrepreneur qu'on veut entendre dans les autres pays, le Mali n'est pas à ce niveau-là. On ne nous met pas les conditions pour ça. Les Maliens sont prêts, mais les conditions ne sont pas là. Vous quittez en France, vous venez au Mali, vous voulez vous installer, vous voulez innover, vous voulez créer. Ça n'a pas été du tout chemin facile. Alors, je peux dire que ça n'a pas été facile, mais comme ça a été facile, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment qu'on décide d'être un entrepreneur, c'est qu'on a fait le choix de ne pas avoir une vie facile. Vous savez, on peut rester salarié jusqu'à 50 ans, 70 ans, et aller s'endetter à la banque, aller en vacances, s'acheter une belle voiture, se faire une belle maison, prendre 2-3 femmes. Tout ça, c'est un choix de vie qu'on peut faire. Mais lorsqu'on décide d'être un entrepreneur, on décide de tout sacrifier. C'est-à-dire que de ne plus rien avoir ou de tout perdre au réveil le lendemain. C'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a moins de garanties qu'un salarié qui va rester pour faire ça. Mais ce qu'il faut retenir, lorsqu'on décide de rentrer dans son pays, c'est de dire qu'on veut apporter une touche, on veut contribuer. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas tout ce qu'on peut gagner ou tout ce qu'on peut perdre, mais on regarde qu'est-ce qu'on peut apporter au pays. Aujourd'hui, je pense que ma satisfaction, en tout cas, c'est quand je vois mon équipe en train de faire de l'innovation, quand je les vois aujourd'hui en train d'apporter des solutions à des problèmes qui sont liés à notre pays ou à notre continent, je suis très heureux. Mais je pense que la chance que j'ai eue au Mali, je ne pense pas que je l'aurais eue en France. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être chez moi. Malgré les difficultés, d'avoir une équipe soudée, d'avoir une très bonne équipe intelligente, jeune, dynamique, mais aussi de participer à apporter une touche à l'économie malienne, parce qu'on est quand même là, on emploie du personnel, on donne de l'emploi à de la jeunesse malienne, mais on voit aussi l'intelligence des jeunes maliens à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je serais resté en France, il y a des milliers de personnes comme moi, il y aura des milliers d'entreprises, j'aurais créé une entreprise, ça aurait été toujours des Français que j'aurais peut-être recruté, etc. Mais le fait d'être rentré chez moi aujourd'hui m'a permis de recruter des Maliens, mais aussi de vendre leur intelligence en France. Donc vous voyez, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut rester au Mali, on peut travailler au Mali, on peut étudier au Mali. La majorité de mon équipe ne sont même pas sortis du Mali. Sans doute, peut-être même les meilleurs de mon équipe ont étudié toute leur vie ici. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour des clients en France et aux États-Unis. Donc ça, c'est une satisfaction personnelle que je peux avoir. La parole à l'assistance pour des questions. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Cheikh Omar Mimi. Je suis en licence 1 informatique réseau télécom à l'ISC Business School. Ma question est la suivante. Votre crypto-monnaie Calis a-t-elle de la valeur actuellement ou bien c'est en cours? Je pense que comme toutes les crypto-monnaies, en fait, tout dépend de l'offre et de la demande. Donc, lorsqu'il y a l'offre, il y a plus de demande, ça prend de la valeur. Donc, bien sûr que ça a une valeur. Maintenant, en fonction de l'offre et de la demande, la valeur elle va changer. Donc, les crypto-monnaies, les valeurs changent tous les jours. Comme la crypto-monnaie qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin a pris beaucoup de valeur. On sait qu'au début, c'était un Bitcoin. Aujourd'hui, était égal à 1 dollar à l'époque. Mais aujourd'hui, ça peut aller à 6 000, 11 000, ça varie, ça peut être même
4 000, 5 000, ça dépend des jours. Donc c'est comme toutes les crypto-monnaies, bien sûr qu'il y a de la valeur, mais tout dépend de l'offre et de la demande. A-t-on répondu à votre question, monsieur ? D'accord, deuxième question rapidement. Je m'appelle Rougiat Utgissa Diaw, je suis étudiante en troisième année, finance comptabilité à ISC Business School. Alors ma question est, l'innovation et l'entrepreneuriat sont des moteurs fondamentaux de l'économie. En quoi ces deux termes peuvent être un levier de développement pour le Mali ? Merci. Aujourd'hui, si on veut le développement dans un pays, la première chose, on parle de sécurité. Mais lorsqu'on parle de sécurité, on oublie souvent le développement. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de sécurité et de stabilité. Et un pays ne peut pas innover lorsqu'il n'y a pas de stabilité. Aujourd'hui, je pense qu'un pays comme le Mali, il y a des chercheurs ici. La semaine dernière, je pense, il y avait le Centre malien de la propriété intellectuelle, CEMAPI, qui a fait une activité justement pour les marques. Nous avons des marques comme Jakite Robotique qui sont aujourd'hui en train d'innover dans tout ce qui est robotique aujourd'hui au Mali, mais qui apportent des solutions. On a plusieurs marques aujourd'hui qui ont été primées au Mali par rapport à l'innovation, à tout ce qu'ils font. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que notre État les accompagne, les soutienne ? On est à côté de Gabriel Touré aujourd'hui. Si on part là-bas faire un tour, on va voir malheureusement beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils ont été amputés des jambes, des bras, etc., qui n'ont certainement pas les moyens d'avoir des prothèses, etc., ou d'être évacués. Et pourtant, on sait qu'il y a des structures comme ces structures qui sont dans la robotique qui peuvent travailler sur des prothèses pour apporter. Donc l'innovation, quel qu'en soit Alpha, quel qu'en soit le pays aujourd'hui, il y a de l'innovation. Quel qu'en soit le pays, il y a des entrepreneurs. Mais la question centrale aujourd'hui, qu'est-ce que le pays fait pour ses innovateurs ? Qu'est-ce que le pays fait pour ses entrepreneurs ? Je pense pour le cas du Mali, pour faire court, tant que nous n'avons pas retrouvé notre stabilité, nous ne pouvons pas nous développer comme les autres pays sont en train de le faire. Mais comme je l'ai dit tout à tantôt, dans chaque crise, il y a des opportunités. À nous, les entrepreneurs, à vous, jeunes, encore plus jeunes que nous, de chercher à réfléchir à des solutions et de prendre des problématiques et apporter des solutions et d'apporter de l'innovation. Peut-être que le prochain génie mondial, il sera malien et pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'avec tout ce que nous sommes en train de prendre comme échec, je crois que dans les 10 années à venir, le Mali sera sans doute parmi les top 10 des pays en termes d'innovation, parce que notre force de résilience fait que notre situation actuelle fait que nous sommes obligés d'apporter des solutions. Voilà et ce que je peux dire sur ça. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Mama Aïdara, étudiante en licence 3 informatique réseau télécom. Selon vous, est-ce que la misère pour un informaticien, surtout développeur, c'est de travailler pour quelqu'un d'autre ? Quand on est qu'on emploie de centaines de jeunes développeurs, on ne peut pas dire que c'est une misère qu'ils travaillent pour moi. Mais la question aujourd'hui, c'est quel environnement tu donnes à ton développeur. Je pense que nous, on a des développeurs qui sont chez nous depuis des années, certains bientôt 10 ans. C'est parce qu'on les a donné un cadre de travail, on les a donné un confort de travail, on les a mis dans les conditions, en tout cas, les meilleures conditions que nous pouvons. Et nous continuons aussi à leur donner la possibilité de se former, pas seulement dans le génie logiciel, mais en termes de développement personnel, en termes de marketing, mais en termes de plusieurs... On a des séries de formations. Vous remarquerez sur ce que nous suivons sur nos réseaux sociaux que pendant cette période où de crise dans notre pays économique, où tout le monde se cherche et que c'est très difficile, et nous essayons toujours de former les équipes. Nous avons tout le temps des formations de renforcement de capacités de nos équipes. Parce que l'idée aussi, pour retenir nos talents, c'est ça la question. Comment retenir nos talents ? Et nous faisons en sorte de retenir les meilleurs ingénieurs chez nous. Sans doute aujourd'hui au CIRTIC, nous avons parmi nos équipes les meilleurs développeurs du pays. Ça c'est sûr, c'est un fait parce que ça fait 12 ans qu'on existe. Ils ont l'expérience, mais ils ont aussi les moyens qu'il faut pour pouvoir réfléchir et innover tous les jours. Maintenant, à la question de dire que c'est une misère pour un développeur, comme on le dit, tout le monde n'est pas né être entrepreneur. C'est quelque chose d'important, il faut le dire aujourd'hui. Certaines personnes sont là, ils sont à l'aise lorsqu'ils n'ont pas certaines responsabilités. Ils ne veulent pas entreprendre. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Tout le monde n'est pas fait pour être manager non plus. Donc, ça veut dire que c'est une misère pour un développeur de travailler pour quelqu'un. Non, je pense que c'est une chance. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis parce que j'ai eu la chance de travailler dans les grandes structures comme HP. Si je n'avais pas eu cette chance de travailler sur HP, est-ce que j'aurais assez d'argent d'économiser, rentrer dans mon pays et créer ce que je suis en train de faire aujourd'hui ? Donc, il faut toujours travailler pour quelqu'un. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on va rester toute notre vie à travailler pour quelqu'un ? Non. Moi, en tant que Soniké, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, en tant qu'Africain et Malien,
Je dirais non, il ne faut pas rester toute votre vie à travailler. Maintenant, si les gens sont confortables chez moi et qu'ils veulent rester toute une vie, ils sont les bienvenus parce qu'ils font partie de la famille. C'est normal. Lorsque vous travaillez depuis des années, vous devenez de la famille. Mais dire aujourd'hui aux gens de ne pas aller créer leur société, de ne pas aller à leur compte, ce serait égoïste. La question importante, c'est ça. Maintenant, les développeurs, ce ne serait pas une misère, c'est une chance pour eux de découvrir un environnement. Je vais prendre l'exemple pour un pays comme le Mali. Un développeur qui termine juste l'université, il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens, sauf si c'est un enfant de riche, hein, peut-être que ça existe. Mais il n'a pas assez de moyens d'aller se payer beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, beaucoup de formations. Et le système fait de telle sorte qu'il n'a même pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir utiliser son savoir à plein temps, pour l'exploiter comme il le veut, il le voudrait. Donc, il faut qu'il aille dans une entreprise, profiter de cette entreprise-là, profiter de la formation, de l'infrastructure, de l'organisation, mais aussi d'avoir des idées et tout simplement d'avoir de l'expérience aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que dans notre domaine, dans le monde des développeurs, généralement, les plus doués, ce n'est pas les plus expérimentés, c'est ceux qui sortent de l'école tout de suite. Généralement, c'est ça aussi. C'est eux qui sont les plus doués, qui arrivent avec une innovation. Mais cette innovation-là, aujourd'hui, c'est possible aux États-Unis. Je vais parler du cas des Américains tout de suite. On sort, on a juste l'idée, on est riche. Mais nous, au Mali, il faut qu'on soit riche d'abord avant de pouvoir mettre son projet en place. Et malheureusement, c'est le cas. Donc, pour moi, c'est une chance pour nos développeurs, en tout cas africains et maliens, d'être en entreprise et après, plus tard, aller sur leur compte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, nous, on a commencé quelque chose au niveau du CETIC, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nos salariés ont la possibilité de créer leurs entreprises et de rester chez nous. Là, je porte cette tenue-là, c'est fait par un de mes collègues qui n'est pas tailleur du tout, et Aboubakar Maïga, ABM, qui est sans doute, je pense, que un de mes gars le plus rentable en termes de commercial aujourd'hui, mais qui a sa structure à côté, qui emploie même plus de personnes que moi aujourd'hui, mais qui continue à travailler pour moi, mais qui a sa société et qui fait des affaires. Donc l'idée, c'est de ne pas être égoïste, mais aussi c'est de donner la possibilité aux salariés de créer leur entreprise et de continuer à travailler, puisque moi j'ai besoin de lui, et que lui il pense que c'est au CIRTIC qui veut travailler, qui veut continuer à apporter, mais il a le droit de créer sa société. À partir du moment où il n'est pas concurrent à la mienne, moi je ne vois pas le problème. D'accord. On est complémentaires. C'est même important de travailler pour quelqu'un parce qu'on apprend, c'est de l'expérience, on acquit de l'expérience, c'est très important. Donc, quelle est la différence entre une innovation radicale et une innovation incrémentale? L'incrémentale, c'est simple, c'est d'apporter tout simplement, d'améliorer quelque chose qui est là. Là, pour moi, en tout cas, c'est comme ça, je peux le voir aujourd'hui. Il y a un produit qui existe maintenant, il n'arrive pas à aller, ben on apporte une solution qui va permettre à ce produit de se vendre beaucoup plus. La définition de l'innovation, vous le savez, ça dépend de tout un chacun, de sa compréhension de la chose. Moi, je peux penser que j'ai apporté une innovation et lui, il peut dire que ce n'est pas une innovation. Maintenant, cela reste, est-ce que mon modèle économique est viable? Donc, tout ramène à la question du modèle économique. À partir du moment que c'est quelque chose qui est rentable, pour moi, ça reste quelque chose d'innovant parce que ça apporte de l'argent. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat et l'innovation au Mali? L'entrepreneuriat au Mali, c'est quelque chose qui est en train de fonctionner. Je pense que je n'ai pas les statistiques. Mais si on regarde il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins d'entreprises que maintenant. Forcément, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de la jeune génération est en train de vouloir entreprendre très tôt. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, on voyait de nos papas dire qu'ils sont chefs d'entreprise, quoi. Mais on voyait pas des jeunes CEO, DG, tout ça. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus jeunes. Et je vois surtout sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi espérer. Voilà, et les gens ils sont décomplexés aujourd'hui. Et des gars, ils ont 18 ans et ils disent qu'ils sont CEO de telle start-up, de telle société. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, l'entrepreneuriat au Mali, je crois qu'il y a eu quelques avancées, il faut le dire. Il y a eu un ministère qui a été créé pour ça. Et je crois que. Mais la question essentielle, c'est que ce n'est pas de créer des ministères, mais c'est la population, en fait, qui entreprenne. Oui. Donc, lorsqu'on a un pays comme le Mali, où on a 22 millions d'habitants et qu'on a une population très jeune, et on n'a pas le choix, on est obligé d'aller vers l'entrepreneuriat. Pour justement avoir le secteur privé soit dynamique entre elles, il faut qu'il y ait plus d'entreprises, plus de sociétés privées. Nous avons vu qu'aujourd'hui, avec l'embargo, quasiment tout le monde est en train de souffrir parce que tout le monde tourne autour de l'État. En fait, il n'y a qu'un seul client c'est au Mali, c'est l'État. De manière directe, indirecte, nous dépendons tous de l'État. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des difficultés dans le pays, ben, c'est tout le pays qui est arrêté. Mais lorsqu'on prend l'exemple sur des pays comme la Côte d'Ivoire, où le secteur privé est dynamique entre elles, certaines sociétés sont en Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais travaillé avec l'État. Et aujourd'hui, aucune entreprise malienne sérieuse ne peut dire qu'il s'en sort bien s'il ne travaille pas d'une manière ou autre avec l'État. Ça n'existe pas. Voilà.
Bonsoir, présentez-vous. Je me nomme Oumar Cissé, en licence IRT, informatique réseau télécom. Bien. Alors, si je vous ai bien suivi, vous disiez qu'au Mali, il ne manque pas de jeunes ambitieux pour être entrepreneurs. Il ne manque pas de jeunes ambitieux, il ne manque pas de jeunes qui ont beaucoup de projets. Mais juste, il y a un manque de financement. Alors, quelle solution vous avez apporté, vous, à ce problème, à ce manque de financement? Votre solution au problème? Notre solution au problème, il faut, c'est là où la jeunesse malienne manque de curiosité, de foi, les plus jeunes, hein, je peux le dire. Et, ces mécanismes, nous, on a lancé une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, que certains d'entre vous, vous êtes informaticiens et vous devez savoir que ça existe, des solutions comme ça où vous pouvez l'utiliser, créer votre projet dessus et après le publier avec votre réseau, avec vos amis. Je prends l'exemple ici, on est à peu près, peut-être on va dire 50 personnes. Si je décide que je lance un projet, un exemple, hein, et que j'ai besoin, moi, tout de suite, de 500 000 francs, et que je lance mon projet, c'est que chacun d'entre nous donne 5 000 francs CFA tout de suite, ça peut t'aider à faire ton projet. Tu peux démarrer avec 500 000 francs, sachant que tu as expliqué un projet, tu es venu, tu as expliqué ton projet, tu as donné qu'est-ce que tu veux faire dans le projet, quels sont les time shoots de ton projet, et qu'est-ce qui va être la rentabilité pour la société pour ton projet. Et tu l'envoies et tu demandes aux gens, voilà mon projet, il coûte 500 000, je veux le financer et j'aurai besoin que chacun me donne 5 000 francs. Il y en a qui vont dire, ah, ce projet, je l'aime bien, je vais te donner 1 000 francs. L'autre va dire, je vais donner 10 000, l'autre va dire, je vais donner 20 000. Au final, tu peux gagner même plus que tes 500 000. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est que quand tu utilises cet argent-là, chaque fois que tu vas retirer même les 5 000 francs de 500 000, tout le monde ici, on va voir que tu as touché 5 000 francs sur les 500 000, il te reste 495 000 par exemple. Et derrière, à chaque fois, tu es obligé de justifier qu'est-ce que tu as fait avec ces 500 000 sur la plateforme pour que les gens continuent à te soutenir et voir ce que tu es en train d'utiliser de façon transparente. C'est un exemple comme ça, je ne peux pas tout expliquer parce qu'on va prendre du temps, mais je t'invite à aller sur la plateforme du clusterdigitalafrica.com. Tu verras qu'il y a une plateforme qui est là justement pour accompagner les startups aujourd'hui à lever des financements en les publiant avec leurs réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible au Mali et c'est faisable. J'aimerais savoir si vous avez un modèle. Je pense que j'ai plusieurs modèles et en l'occurrence aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de Moussa Dekbali, ça reste un modèle pour moi. Abdulmoumine Cissé aussi, que vous avez eu la chance, certains, qui est mon ami d'enfance avec qui on dormait sur le même matelas et dans un village, parce que vous avez parlé tantôt de la France et de ce retour que je fais, mais il faut dire que j'ai grandi aussi en partie dans un village soniqué. Et à l'époque, je me souviens, je dormais avec Abdul, on était ensemble, on partait à l'école à Dodane. Et aujourd'hui, quand je vois le parcours qu'il a fait, et aujourd'hui, si vous buvez du café, c'est lui qui est derrière. Donc ça veut dire que ce garçon, il a fait un chemin extraordinaire, Abdul. Et je suis fier de son parcours, et à la fois du mien, mais à chaque fois que lui et moi, on est à deux, qu'on échange, et on se rappelle de ce moment qu'on a fait au village, qu'on ne pensait pas chacun d'entre nous arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Donc d'accord. Ça veut dire qu'il faut croire en ses idées, il faut croire en soi. D'où l'on vient, partout, on peut réussir. Mais ce qui est important, la fierté, c'est de réussir dans son pays ce soir. Moi, j'avais la chance de grandir entre deux pays. Mais lui, Abdul, il a tout fait au Mali, en fait. C'est-à-dire que lui, il est resté ici. C'est ici qu'il a étudié. Aujourd'hui, il fait partie de ces entrepreneurs, en tout cas de premier niveau au Mali. Et ça aussi, ça mérite. Donc, c'est mon ami d'enfance. C'est un de mes meilleurs amis. Mais c'est un modèle pour moi parce qu'il est resté ici. Il a étudié, il a réussi. Et moi, il a fallu que j'aille de l'autre côté, après revenir, voilà. Et si on parlait rapidement de CDA, ses missions, ses objectifs? Je pense que je vais parler, mais j'ai la chance d'avoir aussi notre vice-présidente du Cluster Digital Africa qui est là aujourd'hui, Madame Dr Traoré, Madame Magadi qui est avec nous, Fatoumata, et aussi notre ambassadrice Tako qui est là, et également notre responsable qualité du Cluster Digital Africa, Mariam Karim. Mais toi-même qui es ambassadeur du cluster, je pense que Omo, il est là aussi, il est un de nos ambassadeurs au niveau cluster. On a beaucoup de nos membres aujourd'hui. Le cluster, c'est une plateforme d'intelligence collective aujourd'hui. Et ça, c'est important de le dire. Une plateforme d'intelligence collective. Collective qui est important de le dire, de co-construction. Mais ce qui est intéressant, on n'est pas une centaine. Je pense qu'on est en plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes.
Et il est international, c'est une initiative qui a été lancée au niveau du CERTIC, c'était pour fédérer, mais c'était surtout d'aller chercher de l'intelligence et de réfléchir ensemble à les problématiques. Et nous savons que nous, au niveau du CERTIC, on avait commencé avec l'éducation, en apportant des solutions. On avait commencé avec des solutions dans toutes les transformations digitales pour apporter, en tout cas, sur plusieurs secteurs. Et il était nécessaire pour nous d'aller chercher des personnes ressources. Et toutes ces personnes qui pensent qu'ils ont que le digital est un levier de développement et de croissance pour notre continent, mais toutes ces personnes qui ont un intérêt avec l'Afrique, c'est pourquoi au niveau du cluster Digital Africa, vous allez voir toutes les nationalités de diverses origines qui sont dans le cluster, qui réfléchissent à des problématiques. Et nous avons plusieurs commissions, des groupes de réflexion. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cluster aujourd'hui, c'est des personnalités. Mossadegh, c'est un de nos présidents, il est notre président d'honneur. Mmh. Nous avons des personnalités fortes africaines, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, ou ça soit le Rwanda, ça soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ça soit en Europe, en France. Et aujourd'hui, on a les GAFAM. C'est quand même toute l'Afrique qui se retrouve. Hein. Mais on a aussi les GAFAM qui sont avec nous. Quand on a, au niveau de la gouvernance du cluster, je pense que nous avons Balki Saïdo de Meta, anciennement Facebook. Lorsque nous avons Eric Balandé qui est de HP et qu'on a des gens de Microsoft, tout le monde est aujourd'hui dans ce cluster-là. C'est pour savoir justement dire que quels sont les problèmes qui nous sont posés en Afrique, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter et comment notre secteur, le digital, peut être un levier de développement et de croissance, adapté à nos réalités socio-culturelles. Et ça, c'était important pour nous. Et aujourd'hui, au niveau du cluster, nous faisons énormément d'actions, des activités qui sont là. Et nous sommes en train de travailler sur des groupes de référents qui vont être nommés, qui vont avoir la mission de réfléchir sur des thématiques bien définies. Il y a plusieurs commissions, je ne pourrais pas tout dire. Mais nous avons commencé, nous, au niveau du CERTIC, de nous focaliser sur notre mission de transformation digitale. Mais tout ce qu'on peut faire comme outil ouvert au grand public, comme la solution de financement participatif, comme cette plateforme des réseaux sociaux, que je vous invite à aller sur CDA Social. Il y a un site web déjà ? Oui, un site web déjà disponible. Vous pouvez télécharger CDA Social. C'est un réseau social qui fait un peu comme Twitter, Facebook le font. Et nous avons mis aussi des plateformes de ticketing, d'événementiel, de visioconférence. Nous avons mis un arsenal d'outils. Et il y en a d'autres qui sont en train d'être mis à disposition. Et nous avons même fini de confier la gestion de notre université au cluster Digital Africa, justement, pour dire que nous, notre mission, c'est d'aller chercher de l'argent, c'est d'aller faire de la transformation digitale pour nos clients. Mais ce qui était des problèmes, apporter des solutions pour le grand public, c'est que tout ce qui est responsabilité sociétale d'entreprise, ce n'était pas à nous de le gérer, mais c'est de le confier à cette plateforme d'intelligence collective. L'œuvre d'un Malien, un jeune Africain, qui aujourd'hui rêve d'apporter plus de solutions que de problèmes. Faraba Sangaré, c'est ça, j'ai bien prononcé. Vous êtes membre du club Master Speak. Merci pour l'opportunité, M. Diakité. Alors, Master Speak Bamako Nyeta, c'est un club de communication et de leadership. Donc, également, nous contribuons à d'autres domaines de développement du pays, tels que la démocratie, la culture, l'éducation. Et nous comptons introduire aussi le volet entrepreneuriat, si Dieu le veut, Inch'Allah. Merci. Alors, donc, bien. Par rapport à l'invité, je crois que c'est une chance aujourd'hui pour nous, les jeunes, de le rencontrer. C'est ma première fois de le voir, mais je le voyais souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un honneur aujourd'hui pour nous. Et de le rencontrer, d'échanger avec lui. Et je vois en lui un entrepreneur dynamique et surtout un entrepreneur visionnaire, parce qu'on ne peut pas parler d'innovation tant que vous n'avez pas une vision. Ça, c'est impossible. Donc, on innove à travers la vision. Donc, je le félicite pour ça. Et puis, sa vision ne se limite pas seulement au Mali, mais c'est au-delà du Mali et au-delà de l'Afrique même, et tout entière. Donc, je vous félicite et on peut l'applaudir également. Voilà, donc, merci. Voilà, juste pour lui dire que aujourd'hui on a beaucoup appris avec lui. Et souvent, il a tenu des discours qui peuvent nous donner de l'espoir. Et souvent, des discours aussi qui nous donnent du désespoir. Mais quand même, au finish, quand vous l'écoutez, vous verrez que l'Afrique n'est pas aussi en retard en termes d'innovation. Parce que je l'ai appris aujourd'hui avec lui, surtout en termes de transactions bancaires à travers Orange Money. Donc, merci pour cette information. Voilà, c'est ce que je voulais merci, dire. Monsieur Faraba. Merci pour ce témoignage. Amadou Diawara, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de la jeunesse du Mali et d'Afrique ? Le message, d'abord, je voudrais quand même le remercier pour ce témoignage qu'il vient de faire de façon élégante. Mais c'est de dire que il faut aller au contact des personnes. Et moi, ça me fait plaisir. De voir que de telles initiatives sont en train d'être lancées pour pouvoir donner la parole aux jeunes de s'exprimer. Maintenant,
de façon pragmatique, c'est difficile de donner un message d'espoir lorsqu'on sait que c'est difficile. Mais c'est là où il est notre devoir aussi de faire beaucoup de veille et surtout de formation. Et je salue votre club pour cet excellent travail que vous êtes en train de faire. Parce que je pense que Dr Fatoumata Tako, vous tous, vous travaillez dans ce domaine-là. Et Amadou Poutougou, que je connais, qui est de ma famille, mais c'est de dire que former aujourd'hui demande de donner une partie de soi. Ça, c'est très important. Les gens ne se rendent pas compte. Les personnes qui forment aujourd'hui donnent une partie de leur richesse, en fait, à toi. Et la question qui se pose aujourd'hui est donner de l'argent. Les gens, c'est pas moi qui le dis, à quelqu'un, on ne l'aide pas. Mais le donner du savoir, c'est là où on l'aide le plus. Et lorsque vous êtes en train de faire ça, c'est un travail noble. Et je pense que le message que je peux dire à la jeunesse, c'est de profiter de toutes ces opportunités qui sont là. Et les gens n'aiment pas profiter des opportunités. La semaine dernière, nous, on a lancé une bourse. Je pense, si Mariam, je n'abuse pas, je ne sais plus si c'est entre 500 ou 1000 bourses de formation gratuitement. Mais c'est des étrangers qui sont en train de s'inscrire. Les Maliens ne viennent pas. Et les Maliens ont tendance à ne pas consommer malien, à ne pas utiliser ce qui est malien. On a ce complexe qui est là, qu'il va falloir qu'on y travaille dessus. C'est-à-dire qu'on pense que quand ça vient de l'étranger, c'est meilleur. Il faut bannir ça. Il faut qu'on arrive à travailler contre ça. On a vu qu'aujourd'hui, nos frères nous ont fermé les frontières aujourd'hui. Donc pourquoi nous, on va toujours continuer à l'utiliser? On a vu aujourd'hui que c'est très compliqué aujourd'hui avec les pays de l'Occident parce qu'ils pensent tout simplement que leur priorité aujourd'hui, c'est autre chose. Donc pourquoi nous, on ne peut pas utiliser nos propres solutions? Pourquoi on n'est pas allé les voir eux? Pourquoi on n'est pas venu utiliser nous les bourses qu'on donne gratuitement? Toi, tu es là aujourd'hui, que tu es en train de travailler pour une chaîne continentale. Ça veut dire que tu as un talent qui est là, mais ce talent-là, imagine demain, je ne souhaite pas que tu n'es plus là. Alors, comment tu vas le transmettre? C'est là où aujourd'hui, il faut qu'on aille voir toutes ces sociétés, toutes ces personnes qui font de la formation. Et la jeunesse malienne a tendance surtout à passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose où ils doivent profiter de ces réseaux-là pour étudier. C'est pourquoi nous, au niveau du cluster Digital Africa, nous avons combiné les deux. La formation et le réseau social, justement. Le message que je peux dire à la jeunesse malienne, c'est de croire en eux et de savoir que quel qu'en soit le projet ou l'idée, on va vous critiquer, mais n'écoutez pas ça. Vos limites ne sont pas leurs limites ne sont pas vos limites. Foncez, avancez. Et je l'ai dit, le Mali traverse une période difficile. Mais c'est maintenant, plus que jamais aujourd'hui, que nous pouvons changer les choses. Je pense qu'on ne doit pas... mon message peut-être a été mal compris. Je ne donne qu'un message d'espoir. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, jamais je publie quelque chose de négatif. Jamais je parlerai de quelque chose de mal de mon pays. Tout ce que je fais, j'essaie de vendre l'image du Mali. Tout ce que je fais au quotidien, c'est de montrer à l'étranger que tout va très bien dans mon pays. Parce qu'ils ont aussi leurs problèmes, parce que nous connaissons nos problèmes, mais les autres pays ont aussi leurs problèmes. Si on veut que les choses aillent mieux, il faut que ce Mali change. Et je pense qu'on est dans cette dynamique aujourd'hui de ce changement-là. Et forcément, ça va se faire en difficulté, dans la douleur. Mais nous sommes un peuple résilient, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Donc la jeunesse malienne doit être soudée et doit être responsable. Voilà ce que je voulais dire. La jeunesse malienne doit être sérieuse et très responsable, surtout innovatrice. On applaudit très très fort pour notre invité. Oui, entrepreneuriat et innovation, c'était donc le thème de ce grand café. Et nous recevions M. Amadou Diawara, président et fondateur du Cluster Digital Africa, CEO de CIRTIC, Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative. Merci M. Diawara. Le Grand Café, c'est la fin. Je remercie toute l'équipe qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Portez-vous bien. À très, 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 très bientôt. Aïe, à quel madame? Même la TV, y'a là. Ah, d'accord.
Te chaya, ambe kasuganda tabesoromina.